Je veux qu'on parle de quelque chose. Tu sais d'abord comment où je suis, je suis pas de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur, Nico. Je suis de très mauvaise humeur. Ben, mon téléphone a été planté depuis. Et comme ça ne suffit pas, depuis tu ne fais que me fatiguer à l'oreille que déménageons, changeons de quartier. Tu fabriques les quartiers à Douala. Tu vas fatiguer les rester ici. Mais toi, tu crois que je suis venu faire le tour du monde? Tu n'es même pas de ça qu'il veut parler. Comme à chaque fois qu'il faut qu'on parle, tu es toujours en train de te gonfler. Tu vois les problèmes partout. Tu me dis quoi? J'espère que ce n'est pas le retard. Hein. Parce que je te connais. On besoin ma cana. Ma cana. Pou. Parce que tu penses que je suis là pour faire des enfants tous les jours. Pourquoi est-ce que mensuel? Pourquoi est-ce que tu es mensuel? La seule femme au monde qui ne connaît pas compter, c'est toi. Mamie, hé. Mais détends-toi, Fingon, c'est quoi? Pourquoi chaque fois que je veux qu'on parle, tu cherches de à crier sur moi? Ça va. Ça va, tu es détendu. Ok. J'ai mon ami. Quoi? Ma copine. J'ai ma copine qui vit aux États-Unis, ça fait des années déjà. Elle vit là-bas avec son mari et ses enfants. Ils sont allés là-bas grâce à la loterie américaine. Tu as entendu parler? Tu comprends? Ah oui! Alors, tu qu'on joue, on part aux États-Unis, le groupement familial, les femmes. En effet, c'est ça. Ah oui. Donc j'ai joué pour nous. Yé, tu as gagné américain? Oui. Yé, ma grand-mère, tu as gagné. Elle m'a garanti à 70% que je peux gagner. Yé, que c'est mon pote bonheur. Tu es mon pote bonheur. C'est toi mon paradis. Yé, maman. Yé, grand-mère. Oh, mon dernier espoir. Oh, yann, t'es né. Rapala. Anda. Tu ne peux pas t'imaginer la lumière que tu apportes dans ma vie. Hein. C'est-à-dire, tu... Voilà, maman, si on pense aux États-Unis, j'ai mes petits qui sont là-bas, les Mass Manga, que tous les jours, quand ils m'appellent, ils me disent que je t'envoie les dollars. Les dollars sont bloqués, ça ne sort jamais. J'ai aussi mon ami, tu vois, Bouba Mangal. J'ai mon ami Bouba Mangal, il est un patron aux États-Unis. Un patron aux États-Unis, Bouba Mangal. Donc, si on entre aux États-Unis, t'inquiète pas, on ne va pas souffrir. Hein. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas fini de parler. En fait, elle m'a mis en contact avec son professeur d'anglais, donc celui qui les a donné cours avant qu'ils ne partent. Lui va venir à notre tour. Aujourd'hui, il va commencer aujourd'hui à nous donner les cours d'anglais. Ça, c'est bien ça. Même où je voulais partir, là, je n'ai pas pu. Ça, c'est bien négocié. Donc, il arrive. Hein? Dans mon téléphone, dit peut-être c'est même lui qui... Voilà, c'est lui. Yes, hello? Hello, sir. Is this Fallon? Yes, sir. Fallon, this is Wams, your English teacher. I got your contact from your sister in the United States of America. I'm coming to teach you English. Where are you? Okay. Please don't keep me waiting. I have a very short time to be in Cameroon. Okay, I am coming. All right. See you, Fallon. See you, Fallon. Il est dehors. Hey, Fallon? Yes. Oh, my name is Wams. I'm Fallon. Me got your number from your sister in the United States of America that you want to learn English? Yes. I've been teaching English for 30 years and I think that you did the American lottery. You want to go to the United States of America? Yes. Okay, I'm going to teach you English. I'm going to teach you English. Yes, go. Will you go to your house? Yes. Okay. Good day, sir. Yeah, my name is Wams Classic. I'm coming from the United States of America to teach your daughter English. Alain, she's going to be doing the American lottery with you. Your husband? Nice to meet you, sir. Nice to meet you, sir. Okay. Thank you very much, Fallon. You're welcome. Thank you very much, Fallon. So, I've been teaching English for the last 20 years. You said you going to America. I'm from Missouri. Missouri Worms teach English in Missouri. I am going to be teaching you the different verbs in the English language. Okay? Okay. You want to have a seat? You want to sit down? No, it's okay for me. It's okay. So, this is your father, your husband. So you want to go to the United States as well?
We are party and serve. We are party and serve. Why is she looking so filthy? Je dis quoi? Que tu es bien habillé. Ah, hey, I'm sapé beaucoup, hein? I am sapé beaucoup. À quelle collection veste so? Inside my panderie. Panderie, c'est ça, non? Inside my panderie plenty. Yes, beaucoup. I don't wait, il est fatigué. I call Nicolas Nkulu, he send order. Après, I call Benjamin Mokanjo, he send order. And Ronald, yes. Ah, okay. Yeah, I did some sapper. Sapper? Yes, I did some sapper. Anyways, I'm here for to teach English to your daughter. And so, the very first course, WAMS from the United States of America, you want to go to Missouri? We are going to be learning verbs. Can you say verbs? Say verb. Verbs. Verb. Verbs. Now, we are going to take the first classes of verbs. I'm going to teach you English. The first class of verbs, you say verb, verb. Look at some verb, verb. Say verb. Verb. Some man where you, some woman where you, man don't die. Verb. Yes, for France, now some man where, some woman where you, man don't die, now verb. Verb. The first class of verbs, you say go. Say go. Go. In present tense, in English, you say now I am going. Can you say that? Now I am going. Every day I go. Ha! There's a tag, the new one, I'm going. Everywhere I go. Everywhere. Can I pronounce it well? Everywhere I go. Like a come, no go. Everywhere I go. What's going on here? Now I am going. Present tense. Now, like a pussy. Now, like a meow. Now, I am going. Now, I am going. No, she's the one concerned here. She's the one going to the United States. Is she going to the United States of America too? Yeah. Oh, you're going together. Oh, congratulations, sir. Congratulations. Yeah. Congratulations. I'll take you to Missouri. I bet you must learn English first. No, je dis que l'anglais c'est la tonation. Ça se joue ici. Okay, yeah. So, like I was saying, now I am going. Repeat after me. Now I am going. Every day I go. Every day I go. Every day I go. Yesterday I went. Yesterday I went. Mr. Husband, she looks very beautiful. Hey! From my vache sanaga, eh? Delicately from La Palos, Anglais. I did wed you, I did salam, I did wed. No, yesterday I did wed. Yes, she must have spent a lot of money to get her as a wife. Spend a lot of money to get her as a wife. Il s'est dit quoi? Il dit que tu as beaucoup dépensé pour m'avoir. Yes, I've dépensé beaucoup. And so, let's continue with the course. So, every day I go. Yesterday I went. Already I have gone. So, you go to the United States. Now you are going. Yesterday you went. Already you have gone to the United States. A for apple. Say A for apple. A for apple. A for apple. A for apple. B for banana. B for banana. Parle aussi, non? Sir, anyways, thanks very much for the compliment. But if you must go to the United States of America, you must have to dress like a New Yorker. Look at me. You must have to dress like a New Yorker, looking all bouncy. I mean, you want to deserve this woman. You don't want dudes out there to get your wife from you. You must be looking good. Me, with my woman, we go live for Etats-Unis. I get my combi for the Bouba Mangal. Bouba Mangal. Oh, I remember when in Missouri, we met in Missouri. He said you're going to take you to Texas and you guys, you have to learn English. Bouba Mangal told me you have to learn a lot of English before you go to United States of America. Yes, yeah, I will learn now. And once again, I want to say that your daughter, your wife is very beautiful. If you don't mind, I can invite her to my home. I teach her English in my house. If you want, I invite her in my house and teach her English. Attends, pour faire quoi? Dis quoi? Parce que j'ai compris ma house. My house, same maison, no? So she can learn English very well. Tu es malade ou quoi? Ça va dans ta tête? What is he saying? Pourquoi tu invites, tu les invites chez toi? Pourquoi? C'est ça, ça veut dire quoi? Pourquoi tu viens ici là? Que l'anglais que tu apprends ici là, nous ne comprenons pas.
Pourquoi tu veux dire que invite chez toi? I guess you guys are not serious. You're wasting my time here. I have a flight to catch. I'm gonna see you guys. Flight to catch. If you're interested in studying English, I think you better consider my proposal and come. I don't have time for sick people like this. I will pa. I don't have time for sick people. Yes, like, pa. Like this. Looking all shabby. You speak to me. You think that's how we speak in United States? Tu think that that's how we speak in the United States? Full anglais. I'm gonna see you looking all shabby. Look at you. I'm gonna deal with your ass. Suma gigolo. You come for toxin. You come for gum. Puma man. Negotiate for your hand. Fallon, I don't know, whatever you call yourself, I think this your husband is a very, very mad fool. And if you must go to the United States of America, you must have to deal with this shit. Look at how crappy he's look. He's looking, you're looking so crappy. You think you deserve that woman? I'm gonna deal with your ass. I've been teaching English for 24 years. I came to your country to teach your daughter English so you guys can go to the United States of America to improve your lives. You looking all crazy there and talking to me in loud tone. I'm from New York, gentlemen. You know the impression me? Tu parles le faux anglais. You faux anglais. So souvent faux parce que I remarque you. You be make tu faisais la messe à l'époque non? Au stade, tu m'appelais pas. I be no. I'm gonna see you in New York looking all dirty. I wonder who's gonna accept you in the United States of America. You can deal with your ass and deal with your shit. I'm gonna see you. You're crazy, man. You're crazy. You're crazy. Fallon, I'm gonna deal with you. I'm gonna tell your sister that you're crazy. Look at your husband looking so filthy. You. I know you acting when you did for talk for Mexican negotiation for you. Puma, you crazy, you? C'est toi qui es fou. Hey, yo. L'autorité américaine pour mettre le bébé dans le ventre de malade. Cher nigga. Wams comes to teach you English, you act like you're all crazy. This is madness. This is craziness, you know. I'm seeing you in New York. Cause I'm gonna say you say. C'est le petit mot, c'est embrouillement. Come, no, go, no, come. Crazy. Tout ça, c'est le pétrole. C'est rien, ça. Give it. You see? Yes. C'est parce qu'on dit qu'à Bamenda, y aller. On va aller à Bamenda, tu vas apprendre l'anglais. C'est rien, ça. C'est ça, c'est le connerie qui raconte là. Il croit que je comprends l'anglais, you see? Je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Depuis vieux âge, il va avec ses lunettes. Il croit que je ne vois pas. Ah, ma chère, comme un fou maros. Ouais, dis, bébé, you crazy, tu as folle. Toi folle! On dit là, salopard! Fais attention hein, avec les l'utérie américaine à négocier. Fais très attention! Son fan à fausse mention! Motherfuck! Ça, je vois ça dans les DVD. Motherfuck! Chaka nigga! Me, I want to teach her English in my house. So she understands very well English in my house. C'est que quand tu gagnes, tu peux pas avec ton mari, tu peux pas avec... Oh, bisous! Bisous! Ah, mais mon petit gars! Bisous! Allez, t'es couru là! Allez, t'es couru là! C'est qui ça? Même si la blague, il y a ce malin! Hé! Là! Au large, il n'y a pas le bisous! Hé, c'est là! Allez, prends! Il fait ce que... On t'a appris des déchets de vie. Tu voulais le chocolat par espèce de coronavirus. Vois. Canard, caneton. Ils vous ont fait rire. Prouve-moi que c'est ta femme. Il va te prouver avec. Il va te prouver avec moi. Ils vous ont fait frissonner de bonheur. Je voulais vous enceinter. Quoi? Gratuitement. Négocier donc. J'ai pris le boulot d'or. Je t'ai nourri au long point d'un. C'est moi que tu vas avaler, c'est ça? Aujourd'hui, il vous tend de la main. Je vais te faire quelque chose, laisse. Tu me fais quoi? Chemin. Un gros ventre comme ça là. Tu es derrière la femme des gens. Tu marches, elle reste même pas derrière, c'est toi qui aspires. Salopard. Fingon, Tralala, ils sont ni Curry, ni Kechue, Black Koya, Nili, Yele, l'amiral Toulé, Macris vous attendent. Président Moutapenda. Allez, mets ton chapeau. Enlève le chapeau. Comprends que tu as perdu les élections, celui qui a gagné. Enlève le chapeau. Enlève ton chapeau. Enlève le chapeau. Mais ça va, c'est comment? Ça va. Enlève le chapeau là. Mais on saute. Demande de sauter, non? Saute. Voilà. Saute encore.
à tous les fans du Cameroun et de la diaspora, à tous les lampadaires du Fingon Tralala, il est temps de prouver votre attachement à l'occasion de leur tournée nationale et internationale. Fingon Tralala et son écurie vous tendent la main. Ouais, monsieur, oh, s'il vous plaît, libéré. Tu parles les CSM pour venir piéger. Oui, j'ai piégé. Un geste, une modeste contribution, un soutien de votre part est attendu. Et c'est maintenant. Retrouvez le lien de contribution sous la vidéo ou le numéro de transfert mobile. Coupe-moi bien, oh. Ouais, grand, laisse-le. Chers fans, ça c'est le moment ou à jamais. On a vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. On a vraiment besoin de votre soutien. C'est Mota Penda. Chers fans, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. Nous avons vraiment besoin de vous pour cette tournée nationale et internationale. On a vraiment besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Alors ne nous lâchez pas, s'il vous plaît. Merci. Nous comptons énormément sur vous. Les fans, les lampadaires, à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est le geste qui compte. Merci.